Bienvenue à tous sur votre chaîne TV Actru France. Ce mercredi 28 août, la place de la Concorde à Paris a été le théâtre d'une cérémonie d'ouverture grandiose pour les Jeux Paralympiques 2024. Malgré une mise en scène spectaculaire orchestrée par Thomas Joly, le début de la soirée a été marqué par des problèmes techniques qui ont exaspéré de nombreux spectateurs en ligne. Après le succès retentissant des Jeux Olympiques de Paris 2024, marqué par des moments mémorables comme le retour de Céline Dion et l'apparition spectaculaire de Tom Cruise, les attentes étaient élevées pour la cérémonie d'ouverture des Jeux Paralympiques. Organisée en plein cœur de la capitale, de l'Arc de Triomphe à la place de la Concorde, l'événement promettait d'être tout aussi impressionnant. Malheureusement, les premières minutes du spectacle ont laissé les spectateurs sur leur faim. La cérémonie a commencé avec une chorégraphie ambitieuse et une performance musicale, mais l'attention des téléspectateurs a rapidement été détournée par des problèmes de son persistant. Les réseaux sociaux, notamment X, anciennement Twitter, ont été inondés de commentaires acerbes sur la qualité du mixage et des réglages sonores. De nombreux utilisateurs se sont moqués de l'ingénieur du son, suggérant qu'il souffrait d'une otite ou que les réglages son ont été faits par des régisseurs malentendants. Les critiques ont fusé, mais qui gère le son, les pistes sont manquantes et les micros mal réglés, c'est un désastre. Malgré ce début chaotique, l'événement a encore de nombreuses cartes à jouer pour conquérir son public. Avec le défilé des para-athlètes mené par Alexis Anquin-Quincan, porte-drapeau de la délégation française, et d'autres moments attendus, les équipes techniques auront l'occasion de redresser la barre. La soirée pourrait encore s'avérer être un succès, à condition que les problèmes de son ne viennent plus ternir l'expérience. La cérémonie d'ouverture des Jeux Paralympiques 2024, bien que marquée par des imprévus, demeure un événement majeur pour célébrer les athlètes paralympiques et leur incroyable détermination. Espérons que le reste des Jeux se déroulera sans encombre et offrira des moments d'émotion et de fierté à tous.